J'ai subi un congédiement pour ma grossesse. Donc ça, vraiment, ça a été énormément de stress. À l'école, c'était vraiment quand même facile avec les autres gars. J'ai pas vécu de discrimination. J'ai eu toutes les connaissances. Donc, arrivée sur le chantier, j'étais à l'aise de performer. C'est sûr qu'il faut toujours que tu fasses tes preuves. Je pense un peu plus quand tu es une femme parce qu'il y a souvent des préjugés. Favorable ou défavorable. Souvent, le préjugé favorable, ça va être « c'est une fille, elle est bonne en finition », mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a toutes nos particularités, on a tous nos traits de caractère. Défavorable, ben, elle ne sera pas capable de faire le travail, c'est trop exigeant, elle va se casser un ongle ou peu importe. Là. Quand c'est le temps de trouver un travail, tu vas le voir tout de suite. Quand tu vas aller porter ton CV, quand tu vas aller serrer la main, tu vas voir qu'il y a un jugement qui vient rapidement, puis généralement, ça ne fitera pas avec cette équipe-là. Donc, il y a des équipes qui ne sont pas prêtes à avoir des filles qui travaillent avec eux. Donc, moi, j'ai choisi des compagnies qui voulaient m'avoir. Quand tu commences dans une nouvelle compagnie, oui, même si c'est des personnes qui sont contentes de te voir sur le chantier, au début, ils vont être « Ah, oh, attends, tu sais, je vais t'aider, force pas là-dessus, mais t'es sûre? » Un moment donné, là, c'est comme « Ah, ben, tu sais, Violette, c'est pas une fille, là, cette fille-là, tu sais, c'est comme un gars, là. » Le plus gros défi que j'ai eu à vivre, qui a vraiment été une discrimination, c'est quand j'ai subi un congédiement pour ma grossesse. Donc ça, vraiment, ça a été énormément de stress. Mon syndicat m'a appuyée là-dedans, mais ça a quand même pris 4 ans avant que tout se règle. Donc, l'argent de la CSST, moi, tout le long de ma grossesse, je ne l'ai pas eu. L'argent, je l'ai reçu 2 ans et quelques plus tard. Là, j'avais fini mon congé de maternité. J'ai recommencé à travailler 6 mois après, j'ai eu mes sous. T'sais, puis on parle de plusieurs milliers de dollars, là. Donc, c'est pas juste « Ah, je me suis fait mettre à la porte », c'est « Je me suis fait mettre à la porte, je peux pas aller me trouver un emploi parce que je travaille dans un métier qui, généralement, va occasionner un retrait préventif, donc j'ai pas de droit au chômage. » Tu sais, c'était vraiment une impasse totale, là. Puis même mon avocate m'a dit « Ben écoute, Violette, c'est 50-50, là. L'employeur, de toute évidence, est de mauvaise foi, mais t'as pas de preuves tangibles. » Des normes du travail, il y a des choses qui sont écrites très clairement là, pour le retrait préventif, pour la réembauche d'une femme qui a eu un congé de maternité. Mais dans la loi R20, c'est pas si clair que ça parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas tellement de femmes qui travaillaient dans le milieu de la construction. Là, on commence à parler de la conciliation travail-famille parce qu'il y a de plus en plus de pères monoparentales, pas parce qu'il y a de plus en plus de femmes en construction. Donc, il faut que cet enjeu-là soit pris sérieusement pour inciter les femmes à venir en construction. Parce que c'est un frein. On a une famille, on a des bouches à nourrir, on ne veut pas perdre notre emploi comme ça parce qu'on est enceinte. Là. Il y a tous qui disent « Ah, c'est donc bien cool! Eh bien, je vais savoir qui appeler quand j'ai des travaux à faire. D'autres, ah, ben tu sais, tu vas essayer ça, puis tu sais, tu vas sûrement trouver autre chose, là, tu sais, c'est comme une quête d'identité momentanée. Beaucoup de commentaires avec des jugements de la part des autres femmes qui doutent de leur propre capacité. Des femmes qui sont impressionnées, qui font comme « Ah, j'aurais aimé ça, moi, faire ça! » Tu sais, j'ai des femmes comme ça, puis j'ai des femmes comme « Ah, moi, ça m'intéresse vraiment pas! » Puis c'est correct, tu sais. Moi, c'est ça que je remarque, c'est que les femmes, sur les chantiers, tu peux être sûre à 100% qu'elles sont là parce qu'elles aiment ça, parce qu'elles se donneraient pas toute cette peine-là, tous ces défis-là, pour être un endroit comme ça, là. Merci pour ton écoute! Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.